After years of civil war, the government of Suleavan began peace negotiations with the rebel group, the BDG. Hold on. You didn't know? Let me explain. It all started at Évian-les-Bains in France. For a week, in March 2016, this charming town was the setting of a life-size simulation for the Jean-Pictet Competition. This international humanitarian law competition brought together 48 teams of students from all over the world, and they sure were ready. Namaste. Bonjour. Hello. From Russia. From Washington, D.C. From Uganda. Exeter. Galatasaray. From Kobe. That. Pour vrai, c'est vraiment marathon. On rentre dedans, on dirait que ça fait deux semaines qu'on fait ça, alors que ça fait que trois jours, finalement. Mais on en ressort, je crois, changé. Ça fait un peu classique de dire ça, mais on en ressort changé sur plusieurs plans, définitivement. The idea is to take the law out of the books. For a few days, over 100 students are immersed in a fictitious case. This year, they're in Suleavan, an imaginary state involved in peace negotiations with the BDG, a rebel group. Twice a day, the students discover the latest news and developments in this conflict and the role they will play. C3, C2, C1, B4. C'est du grand désordre ici. Toc. C'est le début de l'épreuve. Bonjour. Hello. Hello. Voilà, donc c'est le rôle de ministère de la Justice et ensuite ministère de la Défense et ses conseillers. So it's from chief of staff to the president of Suleavan and to Fritz Fago, minister of defense and minister of justice. L'idée sera justement de nous permettre d'apprécier le droit international humanitaire de notre point de vue, de notre position, de la position de conseiller juridique. We hope it gets well. We hope it gets well and we, you know, get the chance to learn even more. Pour nous déjà, c'est pas très facile pour les Ivoiriens de se déplacer à chaque fois, peu importe le pays. On fait l'effort de venir, on n'est pas nombreux à s'intéresser aux droits humanitaires. On fait l'effort, on se transmet ça comme un flambeau. On espère qu'avec notre génération, avec notre promotion, ça sera une génération pictée qu'on va créer dans notre pays, effectivement. OK, so we don't have much time, we should start. Okay. I guess that's okay, considering to the situation we are doing picte. That's the thing. How much time? What? I am his assistant. Yeah, I am the Ministry of Defense. Yeah. Okay. And what is it? Justice. Oh, justice. We were defense before. Justice is justice. Yeah, you have to get your role straight, yeah, man. Justice, justice. What's his name? His name is Teve. Teve. He's Teve. Teve Patoshi. And we're his assistants. We targeted some people with poisonous gas. Yeah. Oh, you did something bad, didn't you? No, we did something good. That's why we're here to explain to the president that everything's cool. Everything's good. Well, at least we did something in compliance with IHL, right? Yeah. If it's good or bad, it's a moral thing. No? Yeah, that's not a thing. Do it! Oh, my God. Thank you so much, guys. Yeah, it was fun. Oh, God. It was really unexpected. On s'en va discuter avec le ministère de la Défense. Sur quel sujet? Un sujet relativement à des attaques qui ont été perpétrées. Mais ça, c'est classé confidentiel, en fait. On va donner plus d'informations. Nous, on va jouer le ministère de la Défense du gouvernement de Suleavan et on est ici pour discuter avec le ministère de la Justice par rapport à des attaques qui ont été commises et certaines bévues. Donc, c'est une discussion qui se fera de ministère à ministère. Bonjour, vous êtes le ministère de la Justice?
Je voudrais seulement préciser que notre attaque respecte les trois principes qui s'appliquent dans le droit humanitaire. Vous avez parlé du principe de proportionnalité, mais l'objectif a été atteint sans pour autant avoir de morts. D'où le fait pour nous de n'avoir pas opté pour une bombe. Parce que la bombe, là, on la largue et puis on sait pas ce qui peut arriver ensuite. Déjà, c'est très prometteur dans la mesure où les deux ministères ont tombé d'accord déjà sur les notions essentielles. Maintenant, je pense que le reste, ce sera plus que question d'entretien entre le ministre moi-même et aussi entre nos deux conseillers juridiques. Voilà. Et étant donné qu'on rencontre le chef du cabinet du président de la République tout à l'heure, donc je pense que c'est une occasion assez idéale d'en débattre avec lui. While the students work, a small group of teachers, lawyers, magistrates, and legal advisors, all volunteers, plan the next test. Their code name, the kitchen. The aim is to have everything ready in time for the students so that the competition remains a thrill for all. On a commencé déjà il y a quelques mois de faire le scénario très général qu'on affine au fur et à mesure en prenant en compte l'équilibre entre les sujets, les épreuves, les formats pour arriver à quelque chose qui ait suffisamment de variété. On essaye de s'inspirer de situations réelles, de conflits armés. On essaye aussi de s'en écarter pour pas que ça ressemble trop à une situation pour faire en sorte que tous les participants arrivent à prendre de la distance. Si on faisait un conflit fictif qui était la copie exacte d'un conflit réel, alors tout le monde retomberait dans des préjugés, des clichés sur la situation elle-même. Mais il y a énormément de points. Mmh. Mais donc ça veut dire quoi? On leur laisse quoi? Une heure et demie de préparation? Un groupe de quatre, ça marche? Si tu as six jurys, des groupes de quatre... Ah, mais on n'a pas neuf salles, donc... Non, mais neuf salles, ça n'a pas de sens. C'est six salles. Ouais. Est-ce qu'on peut accepter d'aller sans télécommunication? Débat. Est-ce que deux jours et pas de nuit, ça va assez vite. Celle sur l'opération conjointe, société nationale, CICR, les conditions d'accès des sociétés nationales, il va falloir qu'ils cherchent un peu à mon avis. Mais ça me virait. Notre point de départ a été le fait que nous sommes ici à Évian et en référence aux accords d'Évian, marquant la fin de la guerre d'Algérie, nous avons décidé de ne pas faire un conflit comme nous le faisons traditionnellement, mais une situation qui est presque du post-conflit. Deux aspects peuvent s'opposer. D'une part, la conclusion d'un accord de paix, d'autre part, la justice. Et comment concilier les deux aspects fera partie d'une des questions fondamentales qui sera récurrente dans le contexte. So, well, you know what is my name? Yes. Okay. I come from Spain, mm-hmm. and I have been involved in Pictet since 2001 or 2002, I don't remember. Well, those last years I have been playing the role of the tutor. Okay. So my duty is to help you grow. Not literally, of course. The tutor helps the students in all the non-legal aspects of the competition. How to develop their arguments, to respect the other teams, and interact with the jury. A tutor supports four teams in all and attends each of their simulations. I take notes on their performance and see how their voice is projecting, see how balanced they are in teamwork, and see how well they interact with other teams. From day one, day two, to day three, they're slowly working together, getting used to each other. You see stress. You can see where some team members might pull back and they're reminding each other, hey, you have to speak, or you have to speak up, speak slower, and they're giving each other feedback and it's encouraging to see. I try to debrief after every test. Sometimes, depending on time, there's not always time available, but I definitely debrief at the end of every day to see how they progress from day to day. This tutor system was set up a few years ago to replace the university coaches. At the time, some universities paid a coach to support their team in the competition. To put all the teams on an equal footing and make up for the university's different resources, each team now has a tutor chosen by the competition.
quand on m'a demandé finalement l'élément le plus important pour un tuteur, bah, j'ai dit que c'était ça, voilà. Donc le paquet de mouchoirs, il est sorti et il a servi, donc c'était important. Oui, il y a des larmes parfois parce qu'en fait, il y a beaucoup de pression que les étudiants se mettent. Et je pense que le rôle du tuteur, c'est aussi de les aider à gérer ça et de leur rappeler que finalement, on est dans un cadre informel et que ça va aller. Donc c'est un petit peu nos petits bouts de chou parfois, donc on les accompagne, on essaye de les aider. They're off for the test everybody has been waiting for, the field test. This morning, the students debated about how the local Red Cross and the ICRC should organize a humanitarian convoy to an enclave. They are now heading off to an unknown destination. Alors, nous, on vient de Liège, Belgique. L'UEG. Nous, on est Québec. On est de l'UQAM, à Québec, à Montréal. Québec et Belgique. Bon, vous vous sentez comment, là? Bien. Bien, on se réjouit de voir ce qui va nous arriver. We went into a conflict zone, and then we met all. We had to go through the whole process of the checking point and trying to negotiate our way in, and then trying to explain our position and why we are here. The situation there is in general. I'm not entitled to negotiate anything. Our meeting there was at the entry point. Oh, it's a bit freaking out. Yes, I realized, but later I had to know it's a role play and we had to fit in. But I mean, it looked real. Okay. Where do you want to go? Jaramville. So? Jaramville. J'attends rien de particulier, ce que je veux juste c'est les secouer en fait. Et puis eux ils sont super stressés, ils partent dans un endroit où ils savent pas. Donc l'idée c'est aussi de les insécuriser, de les sortir de leur zone de confort. Il va falloir qu'ils marchent, ils savent pas où ils vont. Moi je leur ordonne de marcher, je leur enlève leur véhicule. Et puis voilà, pour qu'après quand ils arrivent au prochain point, ils soient dans cet état d'esprit là. Ok, so the car stay here. You walk. You take this one. You meet my chief. Okay. Thank you. Thank you, sir. Qui va là? They come up with this weird thing. He had his FBI cap on and then they... I know, they it was so bad. It was so bad. Her phone was thrown off. So my phone is with them, so it's amazing. It's amazing. And actually it kind of puts you inside the ICRC delegate's role. So. And you get to experience firsthand what happens, what would happen if, you know, the ICRC delegates would go to a place where, you know, armed conflict was happening. D'habitude, on fait toujours les simulations dans le cadre de bureaux assis, tandis que là, on est vraiment sur le terrain. Avec nos bouquins, nos codes, voilà. Et ici, on ne peut pas vraiment les sortir, donc il faut vraiment réagir à chaud et porter le secours, notamment. On the way, the humanitarian convoy comes across BDG rebels, gold diggers, an anti-pollution NGO, civilians fleeing the fighting, army deserters, and refugees. I was attacked. We are living here in the forest, freezing cold. At night, we are always worried, always frightened. I do my best, but what can I do? We have lost contact with my wife, yes, my daughter's Olga. We are mother. Looking for Olga. She went at school to get my nephew. And suddenly some of the Suleavan people got very, very violent against us, and we had to flee. We didn't have time to take our things, and we didn't have the time to get them from school, and so we don't know where they are now. We're very worried. Parfois, on doit laisser des personnes, disons, dans des situations délicates, et pour le bien d'autres personnes, et ça, je trouve que c'est difficile. Et bon, après, avec du recul comme ça, on se dit qu'on a peut-être pas eu les bons réflexes, tu vois, sur à chaud. Et bon, ça, ouais, ça non, c'était beaucoup de récupérer toutes les informations possibles et essayer de tempérer un petit peu toutes les équipes qui sont venues, les réfugiés, enfin les déplacés, les militaires, qui ont été torturés, etc. Donc c'était... C'est des choses qui tiennent un peu à cœur. Are you okay? Ma'am, are you all right? Hello? Can we help? Are you okay? Yes. Who was that late? Welcome back. This is finished.
For the initial tests, the 48 teams of students are divided into groups of three different colors, blue, green, and red. The blue jury speaks French, whereas the two others speak English. Each jury is made up of six people, teachers, legal advisors, or lawyers. They all have a special role to play, assessing the students while taking part in the simulation. Les membres du jury reçoivent le cas pratique en même temps que les équipes, donc n'ont pas le temps de le préparer à l'avance, donc doivent aussi improviser. Pour chaque épreuve, on reçoit quand même des indications assez claires. Maintenant, c'est vrai qu'on a une certaine marge de manœuvre au niveau de l'improvisation du jeu de rôle, qui lui peut être très varié. Le jury peut être appelé à jouer n'importe quoi. Ça dépend de l'imagination de la cuisine. Parfois, les jurys jouent même ce qu'on appelle des plantes vertes, c'est-à-dire que le jury est inactif. Donc, il est dans la salle pour évaluer les équipes, mais il ne prend pas part activement à l'épreuve. Donc, les équipes doivent le comprendre d'abord et doivent elles-mêmes s'organiser et faire un peu comme si le jury n'était pas là et donc doivent gérer l'épreuve elles-mêmes. Ce matin, nous allons regarder une question qui n'aurait pas pu exister il y a quelques années. C'est celle de l'utilisation d'Internet, en particulier de Twitter, par des groupes armés. L'objectif est de voir comment une question juridique compliquée peut être résumée en un concept de communication très simple. I saw that simulation happening twice. In the first time, the tweet was quite formal. It was a press statement, and it was, of course, legally correct. But the second time, the teams, they went into inventing hashtags and adding a lot of hashtags in one tweet. I'm not sure whether that was the purpose of the simulation, but that shows that each simulation can be different. And depending on the members who are in the teams participating in the simulation, you have a totally different outcome of the simulation. So that was interesting to observe. Là, on se met dans l'esprit, là. Ça va être difficile d'être sérieux avec les moustaches, mais on va y arriver. PDIH for life! C'est pas de la propagande, ici, c'est de l'information, donc on va vous poser des questions. Nous avons trouvé opportun d'être plus présents sur les réseaux sociaux pour répondre à ces allégations fallacieuses qui ont été faites sur notre groupe. Après 10 années de guerre civile, le prix des matières premières a considérablement augmenté. Pourquoi laisser passer le CICR si les Nations Unies passent déjà ? Since 1989, the Jean-Pictet Competition has tested students and brought about vocations in some. At the time, the idea came to a student, Christophe Lanor, and Michel Deras, his teacher, after they both took part in a law competition in 1988. Quand on est revenu de ce concours, on était très déçus parce que on s'est aperçu qu'on avait extirpé les étudiants des facultés de droit pour les remettre devant des professeurs ou des juges qui leur posaient encore des questions de professeurs. Et au mois de septembre 88, j'ai revu Christophe qui m'a dit il faut qu'on fasse un concours avec le jeu de rôle et la simulation. Et donc le concours, premier concours, a été lancé en février 1989, jeu de rôle et simulation dans le cadre du droit international humanitaire. The competition was named after Jean-Pictet, the ICRC legal advisor who played a leading role in drafting the Geneva Conventions at the core of international humanitarian law. The first Pictet edition was entirely in French, with four teams, Clermont-Ferrand, Brussels, Fribourg, and Poitiers. In nearly 30 years, the competition has grown considerably. In 2000, it created an English-speaking section. The 2016 edition has 144 students. An intense experience. We have no free time during the Pictet. We were so tired all the time. We have to wake up very early every day and go into bed very late. So I think that that's the worst part. C'est déjà fantastique de voir qu'on est plusieurs personnes d'horizons totalement différents qui se réunissent pour un but commun. On apprend beaucoup sur soi. Je crois qu'on apprécie des choses qu'on croyait qu'on n'avait pas en nous.
Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de préparation et sinon, c'est la panique tout le temps. Donc, de me retrouver dans des situations où on a très peu de préparation, où on a des inattendus, où on se fait surprendre par les juges, que ce soit par des questions ou des situations, c'est excessivement déstabilisant. J'ai appris que j'étais capable de gérer ces situations-là. After 4 days of tests, it's time for the juries to choose the 4 teams who will go through to their groups, semifinals. So, how do the students feel just the few minutes before the verdict? Kenya probably think they've been great. We've heard you've been great. So they're probably at ease, but we're a bit more nervous, I think. We hold fingers for Kenya. We hold fingers for Kenya and for ourselves too. The mood in Team Kenya is a bit more like, let's wait and see. Yeah. Bonsoir, good evening. Before the juries announce the results, the tutors have a little surprise for the students. The famous tutor show, which is best not to show you. We have the difficult task of announcing the names in these envelopes. It fell over. He did. Reenact it. My reaction is, I'm okay. You're so fancy. Ouais, on est content, on est content. On n'y croit pas là, genre c'est super. But we can believe it. Well, thank you. Thank you. Pour la demi-finale, on revoit la composition du jury pour que ce ne soit pas les mêmes jurys qui évaluent les semi-finalistes. Pourquoi? Parce qu'aux demi-finales, les compteurs repartent à zéro. Donc, on ne veut pas que les performances de l'équipe de la semaine influent sur la décision du jury. Donc, notre rôle pour cette épreuve, on a 4 équipes demi-finalistes et d'ici 13 heures, on devra en avoir sélectionné une. Terry, could you tell me what section that was and expand on that a little bit, please? And that is considered law enforcement. Pour les conflits armés non internationaux. Dans le cadre d'un acte d'agression. C'était une liste internationale. C'était seulement un bateau de garde-côte. In regard to the... You're always relieved after a simulation. It's very stressful to be there inside and... Once you finish, it's like you take all the air out. Ça va être très très compliqué de délibérer, très très haut niveau. Donc, je vais prendre plusieurs cafés. À tout à l'heure. And the finalist is. Geneva Academy. And it is University of New South Wales. C'est l'université de Grenoble. On a chacun un rôle différent pour la première fois. C'est la plus grosse difficulté de l'épreuve, voilà. C'est qu'on est cette fois-ci l'un contre l'autre et pas tous les 3 ensemble. C'est ça. Et justement, c'était notre force d'être ensemble. PDG. Forever. PDG. I apologize to the court on behalf of Mr. Simonte.
He assures me that he will remain silent for the remainder of proceedings. In the case SUL 99-24573, may the parties please identify themselves. May it please the court, my name is Mr. Bliss Crack, C-R-A-C-K. The court does not have an... For the finals jury, the Jean-Pictet competition called upon Theodore Meron, president of the Mechanism for International Criminal Tribunals. This great figure of international humanitarian law is also the former president of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. We want the handcuffs to be removed. It just shows that our primary concern is for justice, Your Honor. Well, I'm glad to hear it. La science de la cour, elle est... Il reste une seule question à régler, savoir qui va être l'équipe qui sera la meilleure des 48 qui sont venus au concours et des 112 qui ont postulé. We will be very brief. The decision of the jury is Geneva Cardinal.